Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi c'est Sandra, ma chaîne c'est Sandra Family. Sur ma chaîne je fais la décoration, je fais les bricolages, je fais aussi le ménage, la vie des mamans normales. Donc si le genre de contenu vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner. Là je suis en train de continuer ma vidéo parce que j'avais déjà fait d'autres vidéos avant. Ce sont juste les continuités de la vidéo qu'il avait fait. Donc c'est la fin de la vidéo que j'avais fait. J'ai fait ça à 3 parties. Donc je vous laisse regarder les images. Le miroir ici là, je pense de mettre le miroir ici et là, de l'autre côté je vais essayer de mettre le cadre. On va faire ça à moi et les enfants, donc on va faire ça comme d'habitude. Maintenant, on va attaquer au salle à manger. Donc, je vais débarrasser. Les enfants sont là et je vais les chasser. Il faut quitter. Il faut quitter. Je vais arranger la salle à manger. Je vous laisse regarder. Toujours, je vous laisse. Je vous laisse. Je vous laisse. Donc, dans les cas. Et directement, je suis passée à ma salle à manger et j'ai commencé à débarrasser les choses qui étaient sur la table. Donc, il y avait des cahiers des enfants qui faisaient des devoirs. Et il y avait des vases, il y avait plein de choses là-bas sur la table. Donc, j'ai commencé premièrement à débarrasser et j'ai pris mon torchon, je l'ai mouillé avec de l'eau
Et j'ai mis un peu de savon neutre, donc le savon qu'on lave les assiettes. Donc, j'ai pris, c'est juste là pour nettoyer ma table. Et le résultat, c'était vraiment magnifique. Donc, après ça, j'ai commencé directement à mettre la nappe et à poser le plateau et les vases de fleurs. Donc, c'était juste, les résultats, c'était juste magnifique. C'est juste quand tu as l'envie de travailler, donc ça te motive à bien faire, à bien arranger, ça te motive vraiment, ça te donne beaucoup des idées pour faire ta maison toujours, ça reste une maison propre, ça reste une maison qui est bien organisée. Donc voilà, c'est juste te donner la motivation. Là, je suis allée directement prendre ma nappe. J'ai pris ma nappe et je l'ai placée sur ma table de salle à manger. Et quand je vis que c'était bien placé, j'étais en train de regarder si c'est à côté ou bien c'est droit. Après ça, j'ai pris mon plateau, je l'ai placé au milieu. Et quand j'ai placé mon plateau au milieu, j'ai regardé comment ça donnait. J'étais en train de tirer un peu parce que j'avais pas dépassé ma nappe. Et là, j'ai posé mon vase. Donc, j'aime vraiment les couleurs jaunes là. La couleur jaune, pardon. Ça donne bien, vraiment. Ça fait sortir sa beauté. Donc, le jaune noir, donc ça fait remonter encore. J'ai pas beaucoup de couleurs dans ma maison, donc moi mon thème c'est quoi, j'ai juste utilisé le blanc et le noir et le gris. Donc d'autres couleurs peut-être ça peut venir après, mais là c'est le base, là, c'est juste le base que moi j'ai voulu. J'aime beaucoup le blanc parce que ça donne un peu l'éclairage à la maison, la tranquillité, ça donne vraiment très impression. Donc c'est ça, j'aime beaucoup utiliser les blancs. Donc c'est ça, je disais, donc
J'aime beaucoup utiliser la couleur blanche. Donc, vous voyez, quand vous mettez la couleur blanche, c'est une couleur neutre. Tu peux mettre beaucoup de couleurs. Tu peux mettre le jaune, le vert, orange. Donc, ça dépend ce que tu veux mettre chez toi. Donc, moi, j'aime beaucoup vraiment les couleurs neutres. Après, tu peux ajouter les couleurs du rideau. Déjà les javel, moi j'utilise beaucoup les javel parce que ça tue de mauvaises odeurs, ça nettoie bien, donc j'utilise juste avec le vinaigre, quoi ça, pardon, et que candegina, candegina c'est quoi, à peine je parle même vraiment, mais non, javel. Donc moi j'utilise ça, j'utilise coupé, coupé. Parce que si je laisse ça comme ça, ça va pas sécher. Donc je vais commencer par ici. J'ouvre la fenêtre après. Voilà. Je suis à la fin, donc les résultats c'était juste magnifique. Donc ça me fait plaisir quand je nettoie ma maison. Ça me donne envie de rester à la maison et contempler mes décorations. Voilà, c'est juste motiver les mamans et les papas aussi, parce que les papas aussi me suivent et me regardent aussi. Donc même si tu as une petite maison, c'est juste voir, il faut avoir juste l'œil de l'aigle. Regarder, il faut comment tu vas installer tes divans, la télé, tous les meubles de ta maison. Donc, c'est juste avoir des idées. Regarder des vidéos comme ça, ça motive tout le monde. Moi aussi, je regarde d'autres vidéos, donc ça me motive. Et je vais faire ça chez moi. Nous sommes arrivés à la fin de la vidéo. J'espère que la vidéo vous a plu.
Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, commenter, partager et vos suggestions. Donc, n'oubliez pas de cliquer la cloche de notification pour ne pas manquer les prochaines vidéos. À la prochaine. Bisous.